Ouais, salut les oiseaux, c'est Parano, on se retrouve pour ce sixième épisode sur Killzone Shadowfall. Ouais, j'étais en train de regarder l'ombre, hallucinant. Donc, sixième épisode, venez, on essaye de s'échapper de ce complexe plutôt chelou là, ils nous ont torturés à mort les bâtards. C'est un ennemi ça. Ah mais j'ai même plus haul, j'ai plus rien. Bon en même temps c'est compréhensible vu que je me suis capturé pardon. Alors. J'ai désactivé les caméras pour ton approche. Continue à avancer. Je ne pourrai pas les neutraliser longtemps. Je vais aller voir le diagnostic. Je sais pas pourquoi les images vidéo sont interrompues. Je passe par où là? D'accord, faut que je l'esquive, faut même pas que j'essaie de me tuer le mec. Vous avez vu les petits drones là, c'est énorme. Ok, franchement, c'était trop chelou. Ces machines là, c'était bizarre, hein. Vous avez flippé. On aurait dit Ghost in the Shell à l'ancienne. Pour ceux qui connaissent. Je flippe. Il est juste à côté. Vas-y, ne t'approche pas trop. Tu n'es pas en état de l'affronter. Contrôle 233 Raiden 7, zone 6 sécurisée. En route vers la zone 4. Eh, il me fait flipper là, la vérité. À chaque fois je fais du bruit. Vas-y, c'est le moment. Il faut que tu montes. Ces petits robots ils sont énormes. On dirait les petits transformers là. What? Il s'est pris une bastos lui direct. Je sais pas ce qui s'est passé là. On dirait que j'ai un ange gardien. Ce serait plus facile si je savais où je vais. Je vais t'aider à t'échapper. J'ai du mal à le croire. Ça ne m'enchante pas de tuer les miens pour te sauver, Marshall. Alors si tu ne crois pas mes mots, je te demande de croire au moins en mes actes. Très bien parlé. Oh là, la zone elle a l'air super sécurisée là. Il y a deux autres gardes droit devant. J'ai accès à leur fréquence radio. C'est intermittent, mais je te transmettrai ce que je pourrai. Ils ont des discussions normales et tout, hein, c'est trop bien fait. Hein. Contrôle ici en poste 3-3, zone 8-9-9 nettoyée.
Il va où là? Je crois qu'il m'a vu. Je fais comment là? Contrôle ici 3-3, nous sommes sur site, surveillance et nettoyage. Rapport à suivre terminé. Et je vous dis pas là, j'avale même plus ma salive tellement là, je suis. Ok. J'espère que c'est par là qu'il faut aller. Je fais un peu de bruit hein. Je l'avais même pas vu lui. Continue. J'ai pas le choix hein. Je regarde s'il n'y a pas des trucs qui traînent. Je me dirige vers toi. La zone est bien trop dangereuse. Je passe en silence radio. Attends, je vais où? Tu es là? Eh merde! Mais c'est qui ce mec là? Et j'aime trop les petits robots là. À l'attention de tous les gardes, on a un code rouge dans le secteur 7. Peut-être un évadé. Ok. Peut-être alors. Ma foi. Ah peut-être là-bas. Ouais, je pense même. On sortira pas vivant. C'est impossible. Ok. Ça va, est optimiste le mec. Oh, on n'arrête pas de désobéir aux ordres. Je n'aurais jamais dû leur remettre ma sarre. Tant qu'elle sera vivante, ils l'utiliseront. Dans les deux camps. Il faut qu'on y aille. S'ils te trouvent ici, tu es mort. Je peux avoir une arme? S'il vous plaît, madame. Il y a un couvre-feu ici. Nous devons quitter les rues. Ils vont vite se rendre compte de ce qui s'est passé. D'ici là, nous devons être le plus loin possible. Il y a un vieil itinéraire de trafiquants qu'on peut utiliser. Je te laisse faire, poupée. À vue de nez, on n'est pas loin du mur. Mais attention, nous serons à découvert. Ils vont tout nous balancer. D'accord. Pourquoi tu m'aides? Pourquoi elle m'aide, elle? Partie Vecta. Tu la connais? J'ai appris très tôt à ne pas poser cette question. Je sais ce que je suis, Kellan. Je n'ai pas honte. Tout ce qui m'importe, c'est mon peuple. Tu pourrais aider ton peuple. Visarim pourrait aussi. Elle semble plus intéressée par la guerre. Visari se comporte de la sorte parce qu'elle ne pense pas avoir le choix. Si vous attaquez, elle ne cédera pas. C'est normal. Elle défendra son peuple, son foyer. C'est tout ce que nous avons. Tu dois dire aux tiens de faire marche arrière. Nous ne pouvons pas laisser les choses se faire, Kellan. Pas cette fois. Ce sont toujours des innocents qui meurent. C'est un retour à la surface. Nous avons déjà perdu trop de temps. Allez, il faut partir.
Je t'ai connecté au réseau ComSec. Tu pourras pirater des appareils et désigner des cibles. Utilise le désignateur sur cette grille pour voir si ça marche. Hein ? Quoi elle parle ? Attends, attends, je comprends rien là. Ah, sur la grille, pardon, excuse-moi. Je vais connecter. Si tu as besoin d'un tir de couverture, désigne une cible et je m'occupe du reste. Ok, good. What ? Du coup, le piratage. Essaie sur cette mine araignée. Maintenant, pirate ce robot araignée. C'est énorme ce truc. Coucou. Utilise-les selon les besoins. C'est énorme ce truc. Les feux et les explosions ont retenti afin de rendre cet entraînement une autre. Aussi réaliste que possible. Utilise la fenêtre. Guide-la de l'autre côté de la porte. Essaie qu'en cas d'attaque visant notre territoire, vous saurez. Où le son ? Prendre pour durer. Quoi ? Ah d'accord, faut aller vite. Réessaie. Ne la fais pas exploser avant d'être sur les commandes. Mais j'ai pas fait exploser, je te jure. C'est elle, elle a pas voulu. Vite, 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 vite. Oh! Tu vas en avoir besoin. Ah, alléluia! Merci! N'oublie pas pourquoi nous faisons tout ça. Sinclair a confiance en toi. Celui que tu dois convaincre, c'est lui. La VSA dirige tout, ne l'oublie pas. Vecta se fiera à lui. Pourquoi penses-tu pouvoir me faire confiance? Ce n'est pas le cas. Mais je sais que tu ne veux pas que ton peuple meure, j'ai confiance en ça. Continue vers le mur. Je passe par le haut et j'assure ta couverture. Dis-moi sur quoi tirer. C'est-à-dire À toi de jouer. Oh, énorme. Attention, par ordre du protocole de sécurité 665, le couvre-feu sur la ville est en vigueur. Tout contrôlant est jusqu'à l'arrestation. Mais je vois ça. Faut aller là-bas. Vite, 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 non, non, non. Je surveille dans l'eau. Désigne toute cible pour laquelle tu as besoin d'aide. Nous devons aller au contact secteur 37. Suis mes indications et on s'en sortira. J'ai rien, j'ai que ça en fait. Il est marqué. Tout contrevenant risque l'arrestation. Quittez immédiatement la rue. Il rétracte le pont. Tu dois le traverser. Contrôle ici Raiden 2. J'entends des tirs dans le 4. Raiden 2, ici contrôle. Nous avons du mal à répartir les unités. Comme sec fonctionne mal. Surveillez votre poste et attendez de nouveaux ordres. Il va me voir lui si je fais ça. Thank you.
Putain, il faut les avoir un par un quoi. À toi de jouer. Il est neutralisé. Et lui, tu peux pas le neutraliser lui ? Ennemi marqué. Cible touchée. Bon, il reste plus que là-bas. Tire. Cible neutralisée. Ils ont pas branché ? Pourquoi ils jouent ces bâtards? Oh putain, ils ont il y a plus les lampes. Ouh, il est pas mort. Il est où? Énorme la petite scène. Je n'arrive pas à outrepasser le système. Il faut détruire les commandes. Pirate une mine araignée. C'est le seul moyen d'ouvrir un chemin vers l'autre côté. Oh mec, je les touche pas eux. Hein. Mais comment je passe bordel? C'est pas grave, on meurt pas. Tais-toi. Tu cours où toi? Tu m'as cagué là. Allez vas-y dégage. Tu me remercieras plus tard. Merci. C'est vous qui le recherchez, non? Ouais c'est moi. Pourquoi? Tenez. Je suis dans secteur 4. De nombreuses victimes. Tout le monde est mort. À toutes les unités. Un fugitif quitte le secteur 4. Il est armé et extrêmement. Cool. Merci gros. T'es gentil comme mec en fait. T'as une sale gueule mais t'es gentil. Merci mec pas beau. Alors. Oh non, je déteste les tuyaux. J'ai une adrénaline, c'est plutôt bon. Ça fait bizarre de voir ses mains. D'habitude, il a toujours des gants et là, vous voyez ses mains, c'est chelou, je trouve. 216 balles, c'est plutôt bien. Mais bon, ça part assez vite, hein. Oula. Bonsoir. D'accord, c'est la porte. Oula. Attends, j'ai juste regardé ce qu'il y a en haut là. Je suis un homme curieux, moi. Y'a pas d'adrénaline ou quoi? Putain de merde, c'est quoi ces trucs?
bouge de tous les côtés là. Oh putain. Mais tu voulais que je fasse quoi? Tu voulais que je fasse quoi gros? Sérieux? Oh, je me suis pris un missile dans les fesses mec. Eh, ça fait flipper en fait, il m'a repéré, c'est pour ça. J'avais pas capté au début. Eh, ça fait trop peur ce truc là. Mais si c'était deux. Ennemi abattu. C'est quoi, c'est un bug? Abat-le. Cible tuée. Un doute que j'ai été dans la section. Le suspect n'est pas sur le mur. Soyez prudents. Établissez vos secteurs et contrôlez la zone. Sur le 2-4, des civils du secteur Est nous disent avoir observé le suspect en compagnie d'une autre personne. Une femme, peut-être El Castre. Casse-toi, casse-toi, je vois rien. Mais je vois plus rien. Oh putain. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé là. J'ai piraté une petite orgie là, une petite araignée. Il y a moins que tu le butes, s'il te plaît, lui. Quoi ce truc? C'est allié? Ok. Y a un bug, je crois, non? Faut que je les pirate avec les trucs comme ça, il faut que je les fasse exploser peut-être. Alors attendez, ça a l'air d'aller. Ok, 137, et il se trouve là-haut. Comment je fais? Allez, sors ta tête. Tu sens vraiment que le bras, le chacal, hein. Tu peux pas lui sauter dessus? Descends-le. Ah, on va faire que ça, mec. On va faire que ça. Cible marquée. Cible tuée. Ah.
T'as aimé? Ok. Ça, ça c'est good. On va changer un peu d'armes quand même. Non, non, je vais appuyer sur le bouton. Ok. Putain, ça me rappelle une map du Mulchi, ça. Je peux pas vivre sans elle. Ça change. Avec temps qui voit comment on vit vraiment. C'est ça la vérité, Kellan. Voilà le résultat de vos sanctions. Ces gens en pâtissent. Vous avez uniquement engendré une nouvelle génération d'extrémistes. Je refuse d'attendre la mort. Je l'ai choisi. Je suis un lâche. Fais pas ça. Je t'aime. Parce que j'ai refusé d'admettre que personne ne s'intéresse à vous et qu'on ne présente rien du tout. Merci. Je peux pas continuer. Chaud, il allait tirer une balle. Heureusement que je suis intervenu. Ou peut-être qu'il fallait pas que j'intervienne. Alors c'est pas par là, évidemment il va falloir passer par tout le... Il va falloir faire tout le tour je pense. Non attends, je suis par là. Est-ce que je suis monté? Dur, les gens ils sont dans un état ici. Oh qu'est-ce qu'il fait lui, on aurait dit un singe. Par contre... Non. Je suis un petit peu paumé là. Même beaucoup. À moins que c'est devant mes yeux, mais je ne le vois pas comme d'habitude. Ça m'arrive souvent. Je suis monté trop haut peut-être. What? Faut que je fasse quoi là? Non, pas du tout. Toi, t'es dans un sale état. Ma foi, je sais pas moi. Il y a des trucs partout, bordel. Là, je peux pas aller là, sérieux. Un carton me bloque. D'accord, c'est cool. What the fuck? Ici, y a pas un truc à trouver? Non. Ils me prennent pour un con ou quoi? Je commence à saigner des yeux là, je comprends rien. Attends, dégage-toi pour voir. Non, même pas. Ma, faut aucune idée, bah vas-y, tu sais quoi, ça me saoule là. On va être perdu comme ça dans un petit coin de merde, attends. Oh putain, c'était trop laid en fait. Fallait juste passer par là. Putain, j'aurais mis 3 minutes à comprendre quoi. C'est juste chaud hein. Bah, des fois j'ai l'impression que je vois rien, c'est abusé. Je te prends toujours l'excuse qu'il soit tard le soir et tout. Bon, c'est vrai, je suis fatigué mais. C'est pas une raison. Tirant dessus.
Ouais, ça m'a fait trop kiffer le délire là. J'ai beaucoup aimé. Oh, oh. T'es où? Eh mec, ils sont trop bien cachés. On va pas se basculer sur le côté par contre, hein, non. Wow, wow, wow. Chaud quand même le mec, oh, il m'a mis la misère de là-bas au fond. Ça a vraiment beaucoup d'intérêt ce truc là. Ok, donc il va falloir qu'on passe par là. Carrément, je peux sauter là? Non, je vais me casser la gueule. On va essayer de faire les choses comme il se doit. Il y a un escalier par là, donc on va prendre l'escalier. Donc je commence à réellement comprendre l'intérêt des adrénalines. C'est vrai qu'au début, on s'en servait pas beaucoup. Oh wow! Pardon monsieur, je voulais pas vous brûler. Hein. Et lui me fait trop peur lui. L'objectif il est où lui là-bas? Sérieux, tu me fais flipper là. Me fait la misère. J'ai plus de munitions. C'est la misère quoi. Verra un ascenseur devant toi. Wow. Attends, je capte des messages radio. Plusieurs équipes descendent à ce niveau. À couvert. Tu as mon marquage? Attends, je retiens un truc. Cible tuée. Cible repérée. Cible tuée. Sortez-le de là. Il m'a pas vu, il m'a pas vu, tu m'as pas vu. Il est marqué. Cible tuée. Ouhouhouhouhouhou. Énorme. C'est quoi ça, une arme là?
Oh, je la veux. Oh putain, il y avait la crème de la crème là. Regardez-moi ça, il y avait la grosse sulfate. Je l'ai même pas vue. Bon, c'est pas grave, je la prends. Oh la dinde. J'aurais pu le détruire en 5 secondes avec ça, je pense. 450 balles. J'ai l'impression d'être Jorzy là. Dans Terminator. C'est pas ce quoi là. T'es le bruit au sol, il est super bien reproduit, mais ça fait tard plein de bruit quoi. Regarde au-delà du mur. Notre ville brûle toujours. Je t'ai dit... Accuse la Black Hand tant que tu veux. Vecta ne veut pas la vérité. Elle veut la justice. À quel prix? Vous n'avez jamais connu l'anéantissement. Nous aussi. Crois-moi, ça ne vaut pas le coup. La décision n'appartient pas aux gens comme nous. Pourquoi? Pourquoi laisser d'autres décider à notre place? Pourquoi les laisser nous sacrifier? Nos vies ne signifient rien pour eux. Eh, c'est pas fou hein, ce qu'elle dit la dame. Hein. Il faudrait un petit peu que tu l'écoutes. Et nous, vous savez quoi, on va s'arrêter ici. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais le regarder vite fait, un petit peu 2-3 trucs. Je vais check pour voir s'il n'y a pas des petites choses à prendre. Non, je vois que non. Par ici, il n'y a rien. Et j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. La petite arrivée de notre ami là. Et ici, il y a quelque chose. Et c'est un comic book. Ça fait plaisir. Donc vous voyez, ça sert un petit peu de fouiller, hein, c'était posé comme ça, il fallait juste rentrer là-dedans. Je vous dis encore merci, je vous dis à très très bientôt sur la Noctu pour d'autres vidéos et d'autres aventures sur Killzone. Je pense qu'après Killzone, on attaquera d'autres projets sur la PS4 ou sur le PC. Et pour le moment, on est sur l'intégrale de Killzone Shadowfall, donc je vous dis à très très bientôt les oiseaux, c'était Parano. Allez, peace.